Que tu veux, amour? Ah, mais. Mais tu avais pas vu que j'avais posé le smoothie devant toi? Oh. Oui, il y a la banane dedans et la pomme. Donc dans le smoothie, j'ai aussi ajouté ça, c'est une poudre multivitaminée. Voilà, et c'est bien sûr c'est biologique. Oui, amour. Tu la veux? Tu veux? Tiens. Non? D'accord. Vas-y, prends ton smoothie. Tu veux boire? Voilà, et donc pour le petit déj ce matin, c'est des dattes méjoul avec les pancakes sans gluten, sans lactose, sans sucre. Et ici, il y a de la confiture sans sucre. J'ai acheté en Espagne. Donc en fait, c'est des sucres naturellement présents dans les fruits, huile d'olive comme d'hab, et puis du beurre clarifié. En fait, c'est du beurre noisette et il ne contient pas de lactose. Bon appétit, amour. De gâteau, tu veux gâteau? Pour lui, ça c'est un comme s'il appelle ça gâteau en fait. Voilà. Tout ce qu'il aime, c'est le gâteau. Oui, amour. Ah, bismillah. Même avec l'huile d'olive, il mange. Parce qu'il est habitué, en fait, depuis qu'il est petit, à ce genre de goût. Au goût un petit peu. C'est pas que des goûts toujours sucrés. Ouais, des fois, je fais des pâtes à tartiner chocolat. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Et là, en fait, ça, c'est une table. Je voulais vous montrer. C'est une table que j'ai fait faire sur mesure. En fait, pile à sa taille. Donc, la hauteur, elle est de 25 cm. Et le diamètre, il est à peu près de 80 cm. Moi aussi, j'aime bien manger en étant assise par terre. Moi, j'adore, en fait. J'aime trop. Ça me fait vraiment penser aux vacances. Donc, du coup, maintenant, c'est tous les jours comme pendant les vacances. Et du coup, on mange par terre directement. Ou alors, si quelqu'un n'a pas envie de s'asseoir par terre, il peut s'asseoir sur le canapé. Bon, il faut se baisser un peu. Mais voilà, franchement, j'aime trop cette disposition comme ça. Le fait qu'il puisse manger en étant directement bien assis sur le sol, contre la table. J'ai hésité à faire une table un peu plus haute et à lui ramener une chaise comme celle de la crèche où il est bien assis. Des chaises cubes, mais qu'est-ce que tu fais, amour? Pourquoi tu bois pas le smoothie? Tu l'as bu juste avant, t'es un petit coquin. Ah bon? Il y a quelque chose dedans de bizarre? Ah bon? Je savais pas. Ah bon? D'accord. Donc voilà, du coup, il est bien assis sur le sol. L'idéal, l'avantage, c'est que les enfants, en fait, ils ressentent, notamment les enfants qui ont des retards de développement parfois, ils ressentent mieux leurs mouvements. Et du coup, ça permet d'avoir une posture plus physiologique, en fait, que quand il est assis sur une chaise rigide, en tout cas, ou une chaise encore plus, une chaise haute. Pendant longtemps, je mettais dans la chaise haute parce que c'était plus facile. Et là, vu la disposition de l'appartement, on n'a pas du tout la place dans le salon, la cuisine, de mettre une chaise haute. Du coup, bah, c'était... L'idéal, c'est qu'il s'assoie directement dans le salon avec nous. Je trouve que c'est plus convivial que quand il est dans sa chaise haute. Tu trouves pas, amour? C'est mieux ici ou dans la chaise? C'est mieux ici? Là, on voit qu'il a dessiné. Il a dessiné. Hmm? Qui est-ce qui a fait ça? C'est toi? Oui, tu avais dessiné sur la table. Pourquoi? Pourquoi? D'accord, je vais te tartiner. Je vais te tartiner.